Qu'est-ce que la maçonnerie? Construisons ce métier. Les maçons bâtissent des fondations et montent les éléments porteurs des bâtiments, comme les murs et planchers. Ils manipulent des matériaux variés. Briques, parpaings, béton, pierre, bois, ciment, résine. Tout bon maçon doit être rigoureux dans son travail en suivant les plans et consignes qui lui sont fournis. Sinon, on va droit dans le mur. Il doit savoir bien gérer son temps, aimer les responsabilités et apporter des conseils lorsque cela est nécessaire. D'autre part, une bonne résistance physique est indispensable. Les outils utilisés par les maçons, il y en a à l'appel. Truelles, râteaux, taloches, brouettes, ce matériel leur est indispensable. La maçonnerie est un travail d'équipe qui nécessite une coordination avec les autres corps de métier. Les maçons se déplacent d'un chantier à un autre, construction neuve, chantier de réfection, d'entretien ou de démolition. Des missions qui peuvent aussi les amener à travailler à l'international pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le salaire de début est le SMIC et la progression de carrière permet de devenir chef de chantier, de créer ou de reprendre une entreprise. Pour se former au lycée ou CFA, on peut préparer un diplôme du CAP au BTS. Des qualifications sont également proposées en formation continue. La plupart des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez curieux, d'autres métiers sont à découvrir.